Coucou tout le monde, c'est Marshmallow Place. Aujourd'hui on se trouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo tier list, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vais vous montrer ma tier list Tekel, donc j'en avais fait une récemment où je vous montrais tous mes chats européens favoris en tier list du coup. Et c'est Purple Rain du coup qui a fait les tier list, tout est en description si ça vous intéresse de refaire le tag. Et petite correction, dans la dernière vidéo j'avais dit que Purple Rain était anglaise et elle est française, donc voilà, comme ça c'est dit. Donc pas plus de blabla et puis c'est parti. On commence avec ce Tekel, donc c'est le Tekel marron avec les ronds dans les yeux, celui-là, c'est pas celui avec les gouttes dans les yeux. Celui-là je le mets en A. Celui-là franchement est D-tier, hein, Osef. Lui, et il est moche, hein. C. Lui, A, franchement, il a des petites taches de rousseur normalement près du nez, c'est trop mignon. Lui, S, rien à foutre, c'est God tier. God tier aussi. Lui, oh, il est trop beau. Et je vais mettre tout le monde au God tier, là, ça continue. Oh, trop moche, lui. Ah, il est moche. D. J'aurais dû faire Osef, d'ailleurs, comme l'autre vidéo. Voilà. On respecte pas les TKL ici. Petite TKL rose, celui-là, de mémoire, il était vendu avec un blend bags. C'était un blend bag, ça. Je l'ai toujours pas. B, franchement. B. Osef. Osef, il est moche. Il a une mèche de cheveux. Là, regardez comment il est moche. Il est trop moche. Lui. S. Lui, je l'ai. Je croyais qu'il était vendu dans la blend bags. Mais pas du tout. Je sais pas avec quoi il était vendu, en tout cas. Mais je me rappelle, j'avais demandé à quelqu'un. Il était pas vendu avec un blend bags. Donc bon. Ah. Franchement. En A, il mérite sa place en A. Lui, j'hésite avec ces deux-là parce qu'ils se ressemblent pas mal. Je vais pas mettre les deux dans la même catégorie, ça serait débile. Lui, je vais le mettre en A, lui en B. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ensuite, petit Tekel noir. Oh, je l'aime bien lui. Je sais pas si ça va vous parler pour les plus anciens d'entre vous. Galaxou, une fois, elle l'avait custom ce LPS. Elle a enlevé tout le marron. Et je l'avais fait, mais moi, ça avait un peu merdé. Peut-être à cause de mon dissolvant, je sais pas. J'hésite un peu, je sais pas dans quelle catégorie le mettre. En vrai, je vais pas le mettre en God tier déjà, ça c'est sûr. A ou B. B, allez. Lui, c'était le maman bébé. Ah, franchement, il mérite. Il est trop mignon, mais c'est pareil, c'est dur à trouver. Il y a certains LPS, c'est dur à trouver. Genre lui, là, maman bébé, pour la galère. Tiens, j'ai une anecdote à son sujet sur celui-là. Du coup, c'est celui avec les gouttes dans les yeux. Il est juste là, l'autre. On peut le voir juste à côté. Je sais pas déjà si je le mets en A ou en B. Je vais le mettre en A. Du coup, pour l'anecdote, j'avais vu un MV une fois, ça date vraiment d'il y a longtemps. C'était, je sais pas, 2015-2016. Sur le vieux LPS tube de l'époque. Et la meuf, ou le mec, je sais pas, je pense que c'était une meuf. Parce que de base elle avait du vernis je crois, je sais plus, je me rappelle même plus. En gros le MV s'appelait Rude, un truc comme ça, c'était le nom de la musique. Et moi du coup j'avais appelé le LPS Rude, mais ça avait aucun sens je trouve. Du coup voilà, c'était l'anecdote nulle. Celui-là, c'était celui de la Saint-Valentin. Ah, je l'aime pas trop. Lui, Masterclass, ça part en S. Savannah, ça part en S. God tier, direct. Lui, oh là là, qu'est-ce que je l'aimerais, lui. Je l'ai toujours pas. C'est pareil, c'est une galère à trouver, il y a des LPS. Lui, là, il a les yeux violets avec des étoiles dans les yeux. C'est pareil, je le veux trop, quoi. Puis moi, j'ai des LPS comme ça, là. Osef pour la peine. Celui-là a été vendu avec le Monopoly, j'espère que je me trompe pas, sinon ça va me tomber dessus en commentaire, là, on va me dire « non, il est vendu dans le Monopoly !» Et je l'aime pas non plus des masses, mais il est pas non plus moche. Je vais le mettre en B, il mérite sa place en B en vrai. On a le Tekel Postcard, S, direct. Donc maintenant il reste les LPS comme la dernière fois au hack, là. La petite boutique là qui fait des LPS comme ça là, qui vendent, c'est pas des vrais LPS, c'est des fake entre guillemets, mais qui sont ultra bien faits. Et les deux juste ici, donc lui et lui, c'est les grands LPS des copettes du coup. J'ai celui-là d'ailleurs.
Je vais le mettre en B. Et le jaune... Non, je vais faire le contraire. Je vais mettre le marron en C et je vais mettre en B le... J'avoue que je connais pas trop les Tekel Oak, là, du coup je les découvre un petit peu. Je savais même pas qu'il y en avait, ils existaient. Ça me fait bizarre là, il y en a, je les aime pas trop. Donc déjà lui, c'est un de mes favoris d'aller, je le mets en A. Il reprend le design d'un chat européen qui était vendu avec une Blythe, là, vous savez, le pack noir et blanc. Je le mets en B. Celui-là. Ça reprend le design d'un dalmatien, ça, j'ai l'impression qu'il a été vendu avec l'hôpital, là. Ouais, c'est ça. Je le mets en C. Je trouve que ça s'accorde vraiment pas. C'est pas très beau. Ensuite, on a un teckel aux yeux verrons. J'ai l'impression qu'il reprend un peu le design du collet. Sauf que la base, elle est blanche avec un peu de rose clair. C'est bizarre, j'avoue. Elle est pas moche. Je dirais son design est spécial. Je le mets en B. Il mérite pas non plus une place en A. Faut pas déconner. Ah bah tiens, moi qui disais que c'était le chien de l'hôpital, là, celui-là juste à côté ici. Pas du tout, parce que c'est celui-là. Alors je sais pas quel design il reprend, là, celui de gauche. Lui, je le mets en A. Il est vraiment mignon. Il me rappelle un peu un postcard. Ah, il reprend le design de Michel, celui-là. Juste pour ça, j'ai envie de le mettre en A. Je trouve que les couleurs, en plus, elles sont belles. Celui-là, ça reprend le design d'un chat européen. Ah oui, le chat européen, les derniers chats européens, ils étaient commercialisés, là. En même temps que les mamans bébés, d'ailleurs. Je le mets en C. Et le petit dernier, pour conclure la vidéo, on a un teckel rose et blanc avec les paillettes autour de l'œil. Donc, ça reprend le design du chat européen, qui est exactement le même. Je le mets en C, faut pas déconner non plus. Bon bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis de mettre un petit like et puis un petit commentaire avant de partir. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec ma tier list ou si vous avez pas du tout les mêmes goûts que moi. Je serais curieuse de voir. Et bah surtout, si vous voulez refaire le tag, tout est en description. Donc moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo, bisous tout le monde.